Hey, salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de Zelda Wind Waker Randomizer. Donc dans le dernier épisode, on n'a pas fait grand-chose malheureusement. Dans cet épisode, ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire le truc des Korogus. Là, les arbres des Korogus, là. Voilà. Histoire d'avoir un objet intéressant quand même. Hein. Et puis je pense que pour le prochain épisode, ce qu'on peut faire, ce sera la quête des marchands. Hein. Hop. Si on n'a pas un truc intéressant avec les Korogus, hein, bien sûr. Parce que là, j'ai la carte sous les yeux. Voilà. Voilà, ça dégage. Je reprends mon cœur. Hop. J'espère qu'on aura un petit truc intéressant. Parce qu'il faut prendre de l'eau de la forêt. Ok, une bombe. J'ai une bombe, pourquoi pas. Alors. Voilà, j'ai de l'eau de la forêt. On a 30 minutes. Non, 20 minutes. Lol. 20 minutes. Pour tout faire. Ouais, je pense que ce sera suffisant. Hop, allez. Allez. Alors, il faut trouver le Korogu le plus proche de l'île aux forêts. Et il est juste à côté. Bon, par contre, il nous faut la voile. Voilà. Hop. Hop. Ok, on se dirige vers là. C'est l'île du... C'est là-bas. C'est là. J'espère qu'il n'est pas dans un endroit où c'est impossible d'aller. Hein. Ah. Attendez, ça devrait aller. Attendez, il y a un trou. À tous les coups, on va pas faire la quête des Korogus. On peut faire cette quête-là. On l'a pas faite, je crois. On a pris de l'eau de la forêt pour rien. Lol. Du coup, j'ai besoin du boomerang. Il y a des méchants, il y a des méchantes qui vont dégager. Ah, voilà. Hop. Ah ouais. Et regardez là. Voilà, ça dégage. Je veux le coffre. Je veux le coffre. Ah, attendez. Ok. Ok. Ah, il faut tomber dessus. Je crois. Ouais, c'est ça. Il faut tomber dessus. Yes. Yes. Let's go. Un quart de cœur. Voilà. Ah si, il y a une torche. Est-ce que je peux aller dans les... Oui, je peux aller dedans avec les bâtons. Yes. Ah.
Un coup vicieux. Je fais comment? Je fais comment, monsieur? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je fais quoi? Faut voir la feuille. Je vais avoir la feuille. Je peux pas la voir autrement. Oh putain. Ah putain. En plus le Korogu il est là quoi. Il fait chier ce Korogu. Ah, bah oui, j'ai besoin là de ça, mais voilà. Alors, autrement, qu'est-ce qui nous reste? Il y a toujours les quêtes du marchand, mais ça, j'ai dit qu'on ferait dans le prochain épisode. Ça fait combien de temps qu'on enregistre là? 6 minutes. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ouais, attendez. On va aller voir ce que Terry nous vend. Putain, des bons trucs, s'il te plaît, des bons trucs. Il a rien. Ils vont pas de flèches. Parce qu'on n'a pas de flèches, nous. Attendez. Hop. Hop, on va aller voir ici. Regardez. Voilà, lui il veut ça. Et on a besoin de la baguette du vent. Pam, pam, pam. On va voir s'il accepte toujours ça. Même si la photo en noir et blanc, je sais plus si il veut. Ça fait combien de temps? Ok, alors on va voir. C'est pas bon. Pam, pam, pam. Tadana, tadana. Tadana, tadana, tadana. Mais non, mais putain, mais. Non, ouais, voilà, c'est bon. Tadana, tadana. Alors, on va voir. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon, je ne sais pas. Pan, pan, pan. En même temps, je suis en train de regarder à la carte ce qu'on pourrait faire. Ouais, il y a l'île du poisson, mais on n'a pas la feuille Mojo, parce qu'on a un coffre. Ici, sur l'île du poisson. Et je ne vois pas du tout ce qu'on pourrait faire d'autre. Alors, ça c'est bon? Toujours pas. Oh putain. Pan, pan, pan. J'ai envie de jouer à Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Allez!
Oula. Bah non, ça va pas être bon, c'est le jour. Voilà. Est-ce que ça va être bon là, mon gars? Presque. Alors maintenant, voilà. Hop, hop, et hop. Hop. Ben, 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 ben. Non, je veux ça. Alors, combien de temps d'enregistre? 10 minutes. 50. J'espère que c'est bon. Oui! C'est l'est. J'espère que là t'aimes bien les photos en noir et blanc, mon gars. Sinon, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Panam, panam, panananana. Tu peux te dépêcher maintenant. Mais en plus, je crois qu'il faut une photo couleur. Alors. Mais moi je te crois, mon petit. Alors. Complètement. Ouais, ça fait une pâle. Ah, putain. Bon. Attendez, est-ce qu'on peut faire encore une enchère? J'espère qu'on a assez de sous pour les enchères. Et après on se quittera alors. Après les enchères. Hop. Et ça enregistre bien au moins au bout de 10 minutes. Ouais, enfin, au bout de 12 minutes, pardon. Salut. Alors, qu'est-ce qui nous a présenté? Et là, un truc super, le grappin, tu sais. Une carte au trésor, bon. 80 rubis. Peut-être faire une safe state. Allez! Attendez, on va le laisser en chérir. On va recharger la safe state elle-même. Parce qu'il faut pas trop en chérir. Voilà, donc on laisse en chérir. Moi pour l'instant, je vais mettre ça là. Voilà. Comme ça, je pourrais voir le temps. Par contre, il faudra peut-être un petit peu se dépêcher là, parce que je veux avoir quand même des rubis. Oui, 90 rubis. Mais ça fait combien de temps là? Oh putain, je vais bientôt pouvoir encaisser, hein. Allez. Ok. Ça c'est bon. 120 rubis. Cent rubis, là, ils sont en train de faire des. Ok, pas encore. Ah putain.
Voilà. Ta 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 ta. Putain. Ta 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 ta. Allez. Bam 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 bam. Mais putain, mais... Allez! Mais le mec, il a encaissé 12 rubis, là. Allez, allez! Bon, c'est quand que c'est fini, là? Je peux plus encaisser, là. Bon. Non! Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tant pis! Ah, pas de carte au trésor, mais on peut toujours faire la quête du marchand. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, mon compte Twitter également, laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir, allez! Salut tout le monde!